Oui, je crois que cet ouvrage, c'est un peu le fruit d'une réaction, pas urticarienne, mais un peu épidermique à ce qu'on entend aujourd'hui de façon très habituelle sur cette assurance qu'il faut toujours faire mieux, qu'il faut toujours être de bons, magnifiques parents pour avoir des enfants extraordinaires, mais surtout qu'ils puissent se développer dans un monde qui est tellement difficile, ou en tout cas qu'on pense et qu'on présuppose dans l'avenir encore plus difficile qu'aujourd'hui. Donc on voit combien fleurissent aujourd'hui un nombre incroyable de propositions, de techniques, d'annonces autour de comment élever vos enfants, ce que vous avez à faire, dans quel cadre, quelle technique employer, etc., etc. Alors qu'on se rend compte au total que le métier de parent, comme disait le père Freud, c'est quelque chose de tellement obscur, étonnant, incroyable, aventureux, créatif. Donc j'avais plus envie dans cet ouvrage simplement de dire allez-y, faites comme vous le sentez, faites comme vous le vivez, ne vous inquiétez pas trop, les choses vont pas être terribles, vont pas être dramatiques, il y aura des moments compliqués certes, voire difficiles, et puis à côté de ça, ben, vous aurez aussi beaucoup de bons souvenirs, et puis en gros, peut-être que le plus important, c'est que vous arriviez à vous amuser dans votre vie de couple plus que de parents, parce qu'il y a aussi cette nouvelle donne hein, que l'enfant est le point central de l'histoire familiale, que c'est à partir de lui que tout se construit, que c'est notre nouvelle idole, hein, le nouveau veau d'or de notre société, et que du coup, on doit tout lui passer, on doit tout faire pour lui, on doit avoir des exigences infinies à son égard pour qu'il se développe au mieux et que sa vie soit la plus belle possible. Ben, peut-être qu'il faut aussi se dire que on peut aussi, en tant qu'homme et femme, avoir une belle vie avec ou sans enfant, et que la place de l'enfant n'a pas à être aussi centrale dans l'existence de la famille. Donc, en gros, foutez-leur la paix, et ils vous foutront la paix.